Helmut Marko, encore lui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit cette fois de raciste? Alors, Wikipédia est l'une des plateformes les plus lues. Peut-être que quelqu'un peut le dire à Wolf. Ce n'est pas négligeable. Nous sommes ravis d'atteindre ces records. La différence entre nous et Mercedes, c'est que nous nous tournons vers notre propre équipe pour obtenir une meilleure performance. Nous faisons simplement notre travail, sans inventer ces histoires comme ils le font. Nous ne sommes pas inquiets au sujet de Mercedes, tant qu'ils ne sont pas de sérieux rivaux. Oh là là, mais ferme-la, quoi. Putain, le mec, mais virez-le, quoi. Oui, il était salé, effectivement, Wolf, à ce moment-là. Voilà, il a déclaré ça. On peut comprendre qu'il en ait marre aussi. Donc, toi, là, le raciste Helmut, ferme-la, quoi. Le mec, quand même, qui ose dire que Pérez est un Sud-Américain, donc c'est pour ça qu'il n'est pas concentré en qualif, qu'il a des lacunes en qualif. Non, mais enfin, putain, comment on peut sortir ça, quoi? C'est une dinguerie, ce gars, quoi. En attendant, Mercedes, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont le seum des fois, mais c'est pas des gros racistes comme toi, Helmut. Eh oui, CQFD, hein. Au moins, c'est des gens corrects, contrairement à l'équipe de Red Bull. Bon, je pense que Horner est plus correct que Marco, même si, bon, il n'est pas non plus tout rose, Christian. Mais Marco, vraiment, c'est le cancer de Red Bull pour moi. Allez, ciao.